Quelques grands programmes de l'actualité, responsable organisation humanitaire World Central Kitchen annoncé une pause après une attaque force israélienne qui a tué 7 membres dans le territoire Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive dans la ville de Paris, en France, côté la fête à parler avec le président Emmanuel Macron sur l'Ukraine avec le conflit israélo-hamas. Et puis en Haïti, nouveau ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, déclaré qu'il n'est pas capable de tendre pour le conseil présidentiel installé et puis pour le travail à la classe politique et société civile pour résoudre la crise. Bonjour, bonsoir à tout le monde de Parabmana qui est qui côté ou attendre et regarder en même temps vidéo ça. Dihan Abdou, bienvenue l'autre fois encore sur channel pour une nouvelle vidéo de formation que nous portons pour aujourd'hui à côté nous venir avec une vidéo spéciale la voix de l'Amérique pour vous. Parmi l'autre point qui a dominé l'actualité après la voix de l'Amérique, il faut qu'on ait une mauvaise nouvelle là pour Emmanuel Charles que tout le monde connaît sous nom Mano qui a fait un beau travail sur le canal là et bien n'a venir en détail pour comment état santé monsieur lui-même lié dans le moment n'a pas la voilà là. Entre ou ni sa non avec Marjorie Michel et bien menace la mort arrivé fait là côté gain doit longer bien long n'a venir avec tout dossier ça pour sans camper rien dossier Guy Philippe là lui-même qui t'a doit prendre pays et bien tout n'a porter tout détail pour édition journal ça et l'autre côté tout n'a faut connaître et bien dossier secrétaire d'état américain lui-même yo déjà parlé là côté yo vle camper trafic zam illégal k'ap fait sous pays d'Haïti à bon sous Caraïbes là directement mais yo l'on doit direct sous pays d'Haïti gros qu'est sauté avec suspend pour moun yo même qui rete tout près parler national tout jodi toi là toujours gen désastre ça rapide l'autre encore nous porter pour une édition nouvelle ça avant même nous rentrer dans pour ça aussi c'est pour la première fois que tomber sur channel là pas hésiter abonner avec channel là activer la cloche notification à mettre sur tout pour pas rater aucun vidéo. Pas oublier quitter un like sous vidéo et partager vidéo avec yon amis, yon famille, yon façon pour aider nous grandir communauté channel là. Nous pas parler trop, nous pas perdre trop temps et ben n'a pas la gonne édition la voix de l'Amérique là, n'a tourner vidéo. Ça avec actualité dans pays d'Haïti, côté la justice en ville cap haïtien libéré youtubeur américain d'origine libanais Addison Pierre Malouf. La police a arrêté et dans un moment, il a cherché à quitter le pays, sans lui pas de payer une machine, il était loué avant gang armé 400 Maozo. Te kidnappé, Gérard Maxilo. Donc, effectivement, pas qu'il y a un matin, qui c'est mardi 2 avril 2024, recevoir un dossier, recevoir plusieurs dossiers. Et il y en a un, il concernait le dossier Malouf Addison Pierre. Bon, nous-mêmes, c'est pour tout le dossier, nous traitons de manière professionnelle. Nous regardons le dossier qui s'allie, nous avons plein de déposer. Maintenant, nous avons analysé le dossier, nous voyons que c'est un particulier qui a eu un problème quelconque avec un autre particulier pour une question de location de véhicule. Donc, c'est une machine qui était louée et que la machine lui-même était pas à remettre. Parce que le locataire, là, qui a loué la machine, depuis le premier jour de la machine, il dit qu'il a kidnappé avec la machine. Que la machine s'arrête dans la zone où il a kidnappé, il va retourner. Donc, le monsieur va retourner pour prendre l'avion pour aller, mettre la machine, il est obligé de faire manœuvre pour coincer le monsieur intercepté pour qu'il remette la machine. Bon, c'est comme ça que nous avons trouvé le dossier. Depuis, il y a une grande sensation qu'il a fait, un peu d'émotion dans les médias, mais nous-mêmes, nous avons trouvé le dossier normalement avec la police. Nous regardons, nous avons un dossier qui paraît simple comme bonjour. D'ailleurs, nous traitons et nous classons sans suite. Dans la mesure que tous les deux parties sont très satisfaits de la décision que nous prenons. Donc, Addison Malouf, qu'on y a là, il est libre de tout mouvement. Donc, la fête dimanche, qu'on y a pour le siège une place à bord d'un avion qui a quitté ville Cap-Haïtien pour entrer aux États-Unis. Laisse ça va possible parce que il y a seulement un seul vol qui quitte Cap-Haïtien qu'on y a pour aller aux États-Unis. Pas un vol qui sortit aux États-Unis dans le cours American Airlines. Et Spirit Airlines, JetBlue, et même annoncé pour qu'on y a là, vol est totalement campé en attendant que la situation résoudre dans le pays d'Haïti. Nous parlons dans notre nouvelle, nous parlons plus loin que ça, responsable d'une organisation humanitaire annoncé une pause dans l'activité, l'étape menée dans le territoire Gaza après force israélienne et tuer 7 membres personnels. Nous parlons de Serge Michel pour plus de détails. Groupe aide qui est la cuisine centrale mondiale, qui gagne sinon en anglais WCK, dit jeudi matin, yon frappe israélien touye 7 employés li nan Gaza, et que groupe la campé sous travail li tout de suite dans la région. WCK dit, nan yon déclaration, cuisine centrale mondiale dévastée pour confirmer la mort 7 membres équipe noire, nan yon frappe force défense Israël nan Gaza. Équipe WCK t'a voyagé dans yon zone côté conflit et fin passé, et équipe la tenant 2 auto blindés avec yon machine qui pâte blindé, qui démontre logo groupe la, malgré nos coordonnées. Et tout mouvement noir force défense Israël convoi te prend frappe pendant le tap quitté dépôt d'Air Al-Bala. Côté équipe là, te fait débarquer 100 tonnes d'aide manger humanitaire qui dérivait joindre nous sous la mer.
Parmi les gens qui mourent, il y a un Palestinien, un citoyen Australie, Pologne, Grande-Bretagne, et un monde qui a une double citoyenneté américain et canadien. C'est ça, le groupe l'a dit. À la tête cuisine centrale mondiale, la Erin Gore qualifie l'attaque-là comme impardonnable. Il dit, c'est pas une attaque sur WCK, c'est une attaque sur toute organisation mondiale qui a l'aider dans une situation grave, côté manger à servir comme Zam la guerre. Autre part, l'armée Israël, vice-amiral Daniel Hagari dit, we have been reviewing the incident. Nous avons repassé l'incident dans le pire niveau pour nous comprendre dans quelles circonstances ça a dérivé et comment le dérivé. Nous pourrons ouvrir une enquête pour examiner un incident grave, ça plus toujours. Ça pourrait aider nous réduire le risque pour barrer qu'on s'attache à jamais arriver encore. Il y a une organisation indépendante, professionnelle, côté expert travail, qui est le système pour joindre ça qui est passé, et puis évaluer lui, pour mener enquête sur l'incident. Vice-amiral Hagari parlait encore pour dire, depuis quelques mois, Force Défense Israélienne, FDI, a travaillé en tête collée à WCK pour aider une mission noble, qui s'est poté manger avec aide humanitaire, Baïmoun dans Gaza. WCK a deviné des Israéliens tout, après massacre 7 octobre. Il y a un premier ONG, organisation non gouvernementale, qui est arrivé ici. Là. Travail WCK important en pile. Il y a un premier ligne, groupe qui a servi l'humanité. Le ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé douleur jeudi matin pour la mort 7 travailleurs WCK. Il y a un incident qui est considéré tragique, côté Israël, pas fait esprit. Mais il dit, compte fait dans la guerre. Serge François Michel, VOA Creole. Merci, c'est François Michel. Nous allons aller en Europe, parce que nous allons dans la ville de Paris, côté secrétaire d'État américain Antony Blinken, trouvé dans la ville de Paris, côté Ligue pour le contrer, entre autres, avec le président français Emmanuel Macron, pour discuter des questions qui viennent pour la guerre entre Ukraine avec la Russie, et puis conflit israélo-hamasla, Sandra Lemaire. Secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontré Tokay français Stéphane Séjourné dans la ville de Paris, jeudi matin. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de 7 humanitaires de l'ONG World War Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. Ces journées exprimaient condamnation pour attaque israélienne qui causait la mort de 7 employés de l'organisation charité World Central Kitchen dans Gaza. Parmi les travailleurs qui mourent, lundi, t'es gagné 3 citoyens britanniques, un Australien, un Polonais, un qui t'es gagné double nationalité américaine à canadienne et puis un Palestinien, d'après document l'hôpital. Blinken t'es décrit travailleurs saillot tant qu'au héros. The victims of yesterday's strike join a record number of humanitarian workers who have been killed in this particular conflict. Les victimes attaquées rejoignent une quantité record de travailleurs humanitaires qui mourent dans le conflit, ça en particulier. Mounsayo, c'est héros. Ils ont couru dans la direction du feu, au lieu de courir pour lui. Ils ont représenté la meilleure qualité de l'humanité qu'a offrir. Le bagage est vraiment difficile. Il faut que nous protégions. Blinken fait connaître tout. Les États-Unis travaillent de jour en jour pour effectivement empêcher le transfert d'armes et matériaux dans la Russie, pour empêcher la guerre Ukraine prend plus ampleur. Puis bonheur dans la journée, Blinken a visité un factory d'armes dans Versailles, ensemble avec le ministre de la Défense français Sébastien Lecornu. Après ça, il a visité le quartier général UNESCO, Agence Nations Unies pour éducation, sciences et culture. Visite a été déroulée 9 mois après les États-Unis ont rejoint l'agence. Il a été fait chez attendre avec la directrice générale Audrey Azoulay. C'est un plaisir pour me tourner à UNESCO et les États-Unis comptent membre UNESCO encore et puis membre commission exécutive là. Moi connais et moi déjà ouais que j'ai un pile bagaille nous qu'a fait avec UNESCO par rapport avec un agenda qui est essentiel pour mon tout partout dans le monde là. UNESCO, qui gagne 193 pays membres, joue un rôle important dans l'établissement standard pour intelligence artificielle et éducation sous technologie. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis pour supporter nous, et capement de nous, côté Jacqueline, bien dit que Jacqueline a tourné, ou le tableau tourné, demain mercredi 3 avril là, si tout va marcher bien, mais la pour tourner quand même, et la pour tourner vite en place, du côté que c'est le cap présenté nous, et édition et VOA Creole, dans l'après-midi. Nous voyons une autre nouvelle, nous avons dit que, en plus de ça, le nouveau président Sénégal là, précisément, m'a dit 2 avril là, dans la capitale là, Dakar, côté l'hypomètre pour limiter pays à sous stabilité avec progrès, Serge Rodriguez.
Monsieur Bassirou Diomaye Diaha Faye est élu président de la République du Sénégal. Candidat opposition Bassirou Diomaye Faye, qui était passé un temps en prison et qui remportait l'élection présidentielle du Sénégal, a qu'un seul coup de clé, et bien il prêtait ses mains jeudi mardi 2 avril là comme chef d'État nation Afrique de l'Ouest là. Il est le cinquième et puis jeune leader qui jamais monté sous pouvoir dans le Sénégal. Monsieur Faye pour mettre peuple là, pour rétablir stabilité et puis pour porter progrès économique dans le pays. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge du président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et les lois. Nouveau président sénégal là, qui a 44 ans, c'était un ancien inspecteur taxe qui remportait une coquine victoire devant rival Amadou Ba, malgré appui rival ça a été joint bon côté coalition parti au pouvoir, président Macky Sall. Victoire ça a reflété l'espoir 18 millions de Sénégalais qui voulaient un changement dans le pays. Yoa. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance. Un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation. En votre présence. Monsieur Faye dit comprendre la signification bulletin vote qui bat la possibilité qu'on y a pour diriger le pays Sénégal. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Cérémonie prestation serment jeudi mardi est déroulée en présence plus passée en douzaine chefs d'État et représentants régional, parmi le président Nigeria Bola Tinubu, président pays Ghana Nana Akufo-Addo, et même à la tête à branche africaine Commission européenne Moussa Faki Mahamat. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Dans le pays d'Haïti, réaction négative après même accord 21 décembre, mandé CARICOM pour les camper sous démarche mise en place conseil présidentiel là, ou dans Toussaint. Plusieurs structures organisationnelles, parmi eux, comité 100% diaspora et résistance pour Haïti, exprimaient des accords par rapport à correspondance qui portait signature, mais André Michel à quelques autres membres signataires. Accord 21 décembre 2022, qu'a joint CARICOM pour mander faire bac sous démarche mise en place conseil présidentiel transitionnel. Dans objectif pour choisir un juge dans la Cour cassation de préférence. Professeur Patrice Célestin, qui est secrétaire général Résistance pour Haïti, dénonçait à critiquer l'équipe à COVID 1 décembre 2021 et fait connaître que l'ICAMPE derrière le Conseil présidentiel de transition. Toute équipe qui dit qu'il y a le Cour de cassation, il y a chacun de vos juges. Vous savez qu'il y a un équipe 21 décembre, non, il y a le président de la Cour de cassation. Là, nous prend, on l'autre franc, il y a un après, bon, l'autre organisation, il y a un autre même, il y a un autre juge. Chaque n'a dit qu'un juge ba yo. Mais je dis à la société, hein, masse critique l'a déjà formé. L'y formé à travers conseil présidentiel qui est 7 membres votants et puis 2 membres observateurs. Je dis à pas de route pas bois. Qu'il pleuve, qu'il tonne, conseil présidentiel ça, qui forme masse critique là, qui forme ça, l'inclusivité, hein, c'est lui-même qui parle mener rail pays environ de 18 à 24 mois pour pays à une stabilité économique, sécuritaire et politique pour l'élection. Équipe signataire accord 21 décembre 2021 dit que c'est coup cassation capibon malgré yo gagné yo représentant dans conseil présidentiel cette même. Bon côté parle Jacques Gary qui est directeur interne comité 100% diaspora plaide en faveur installation ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe dans palais national pour corriger situation. Même que vous dit Guy Philippe c'est on dit la de droit qu'il dit. Même si on dit qui Philippe, c'est un volet qu'il dit. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire Philippe. Bien pourtant, pour nous comprendre qui mon peuple a fait et qui mon qui va sortir pays ça. Dans l'état de crise difficile, jour et jour, il n'y a pas l'autre moyen. En nous, pour faire pour nous, ensemble avec le peuple, pour nous voir comment nous sommes capables de faire un changement pour toute nation, changement pour tout pays de changement pour le département et changement tout pour tirer sur Azamio parce qu'en pile fois, en pile nous, nous manipulons. Pendant ce temps, coalition politique Réveil National proclamait ancien sénateur élu Grandens Guy Philippe comme président d'Haïti. Oui, non, tout ça. Pour VOA Creole. Pour de presse. Non, l'autre programme de mini-actualité, à nouveau ambassadeur américain en Haïti, Dennis Hankins, exprimé espoir que le pape prend trop de temps pour conseil présidentiel à installer. Nous allons joindre Emmanuel pour plus de détails.
Nouvel ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, Denis Hanskins, rencontré Premier ministre intérimaire Patrick Boisvert avec ministre Affaires étrangères Jean-Victor Généus. Le diplomate américain dit qu'il est impatient pour remettre l'aide créée à le nouveau gouvernement haïtien. Selon un message qui est posté sur le compte X ambassade américaine, il a rapporté que deux officiels démissionnaires haïtiens ont confirmé pour l'ambassadeur américain que le gouvernement est prêt pour avancer dans la transition dès que le document conseil présidentiel de transition est finalisé et recevoir dans la forme finale. Toujours selon mission diplomatique américaine dans le pays d'Haïti, l'ambassadeur Hanskins arrivé dans le pays mardi 26 mars passé. Les contents pour diriger l'effort gouvernement américain dans l'idée pour aider Haïti faire face à l'insécurité. Dans un communiqué qui publié par côté gouvernement, hier lundi, suite à un conseil ministre, l'équipe gouvernementale a déclaré la travail pour une transition pacifique dans ce qui concerne les responsabilités dans le conseil présidentiel transition plus rapidement possible. Parallèlement, gang yo continue à simer la trouble dans la capitale haïtienne. La police nationale d'Haïti a repoussé lundi attaque contre symbole pouvoir politique là dans le pays palais national. Attaque ça a déroulé dans un contexte de tension sur principale place publique dans la capitale la Chanmas côté bâtiment Trouvel. À ça yo, yo mette di fait tout dans yon machine blindée la police qui était tombée en panne tout près palais national. Dans l'intervalle, gouvernement haïtien prolongé couvre-feu jusqu'à mercredi 3 avril dans le département l'Ouest côté capitale haïtienne dans Trouvel. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Quel citoyen, par opinion, sur des frappés armés qui gagnent entre la police avec gang armé qui a cherché pour contrôle. Panel national, là, Mazadou Vilmé. Nous avons tout le monde à chanter pour quitter ça pour nous. Pour l'école, pas qu'elle n'est pas l'école là, je veux dire, c'est pas vite pour nous. Il était environ 10h du matin, la police vient demander pour tout le monde qui était zone adjacente Chanmas là. Quelques citoyens et citoyennes l'autre ça concerné, expliquer qui ça a affecté. Moi-même c'est un machin bail glacé mienz, mais doit moi devant pour fonctionner et puis me lever matin, hier matin, yo courir derrière nous, yo ba nous gaz, yo tirer balle sur nous, yo mandé nous pour bail Chanmas là, m'acheter glace me fait difficile. Matin encore, nous arrivé Chanmas là encore, nous pour faire 5 gouttes pour me bail petit moi manger, pour me gérer tête moi pour manger et imagine droit bien. Ils ont demandé pour nous bâcher masse là encore. Actuellement là, pour n'y a pas de vie pour nous encore. Nous sommes masse là, c'est toujours c'est gaz, c'est balle, bandits à tirer, la police n'a encore pire. Mais pour ça, c'est moi-même, même la police choisit pour demander chaîne masse là. Qui ça me représente? Est-ce que c'est moi qui suis obstacle là? Ou bien c'est moi-même qui handicap là? Parce que je ne sais pas que c'est moi-même qui vient là, qui vient de défendre 50 gouttes pour me vivre. Et puis c'est pour le plaisir, la police choisit m'a demandé. Ça fait qu'il y a une raison pour le protéger. Mais des fois, il ne peut pas parler sous forme ça. Parce que la police connaît les gens qui sont faciles, connaît les gens qui voulaient marcher sous eux. Quand je suis en train de faire un petit peu de bois, je suis en train de faire un moment, mais je ne suis pas en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un 5 ou 10 gouttes pour me faire un manger. Si je ne suis pas en train de faire un peu de temps, je suis en train de faire un peu. Je vole tout ça, je pose des nettes à la ville. On sait si le téléphone n'est pas la petite prête dans les États-Unis, je vole, je boule, je ne sais pas qui est là. Ça veut dire que quand je suis en train de faire un peu de temps, je mets tout. Où est ton côté de boule? Ou pas de manger pour manger, ou pas de côté de boule, ou pas de merde pour faire un senti caca au pays. Sauf au café. Toutefois, force de l'audio a utilisé gaz lacrymogène pour forcer les gens qui quitter l'espace là. Nous devons dire coup de balle toujours à chanter dans le périmètre Chanmas là, côté nèg exam veut prendre contrôle zone palais national. Nous voulons faire connaître tout, bandi ont déjà établi base en dans l'hôpital général qui c'est plus gros centre hospitalier pays a. Comme rappel, ayant lundi 1er avril 2024 là, bandi ont saccagé plusieurs institutions parmi eux petit séminaire collège Saint-Martial qui dans Rilama Port-au-Prince et puis boulé plusieurs machines qui étaient dans parking l'école là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Martial Vigny, VOA Créole. Et puis, Haïtiens dans la ville de Paris manifestent pour exprimer inquiétude face à la situation politique dans le pays d'Haïti, Franklin Guédems. Communauté haïtienne de France presque décrété la permanence. Chaque semaine, ils organisent une manifestation pour exprimer colère contre le système qui a dégringolé le pays d'Haïti. C'est une rare fois pour gagner autant d'Haïtiens dans la communauté haïtienne de France. Là, à peu près 1 millier viennent supporter une manifestation de ras-le-bol, d'énervement de situation pays d'Haïti. En pile pancarte, tape levé bien haut pour exprimer colère. Organisateur, vous mettez toute force dehors pour exprimer satisfaction. Puis vous avez autant de monde viennent manifester mécontentement. Manifestation a bloqué plusieurs rues dans Paris. Moun campé sous des rangs. La police fait mikalao pour les manifestants en sécurité. En pile monde qui pas haïtien te viennent supporter manifestation à tout. Et il y a un monde qui sortit spécialement Toulouse, viennent participer. Passion paille.
gouvernance. Mon chéri, qui ça mène là aujourd'hui à la manifestation? Oh, de toute façon, nous voilà la caille nous par rapport à ce qui a passé de Haïti. Si nous c'est Haïti, nous connaissons sang qui sont des salines qui dans nous, qui n'a coulé dans nous. Non, nous capables de venir là pour nous dénoncer tout ce qui a fait en Haïti, particulièrement encore groupe et les syndicats des ambassadeurs comme l'ONU, BINU, OEA, CARICOM, sans oublier la France, les États-Unis, le Canada et l'OTAN, l'Union européenne. Et alors, vous participez vous-même également de la manifestation. Pourquoi c'est important pour vous d'être là ce soir? Pour moi, c'était très important pour soutenir le peuple haïtien, pour défendre leur cause, qui est une cause très légitime, et la concorde dans ces pays-là qu'il a tellement besoin en ce moment. Il faudrait faire une petite opération d'imagination. Imaginez la France, par exemple, aux mains des gangs armés. Imaginez la destinée de la France aux mains de dirigeants qui ont créé une situation telle que les gangs armés auraient pris, par exemple, le contrôle de la destinée de la France. Est-ce que les Français accepteraient une telle situation? Non, jamais. Donc, c'est la même chose pour Haïti. Nous sommes en colère, nous décrétons la permanence avec des manifestations presque chaque semaine. Nous sommes capables de dire non à ce système qui a placé le pays d'Haïti. J'ai l'impression que depuis la manifestation, pas l'autre point qui a devenu actualité à la communauté internationale là, continue à évacuer les citoyens qui ont vécu dans le pays d'Haïti, après la France, c'est tout pas Mexique. Nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis de Vivier, New York. Ministère Affaires étrangères, c'est ma force la marine pays Mexique, évacué 34 citoyens mexicains dimanche passé, sorti dans la capitale pays d'Haïti à Port-au-Prince, à cause crise insécurité actuelle là qui a dégénéré. Parmi les gens qui étaient évacués, il y a 24 garçons avec 10 femmes, il y a eu tout 7 mineurs. Un bateau avec un hélicoptère la marine mexicaine a été supporté opération à patrimoine humanitaire pour permettre aux citoyens mexicains qui étaient exprimés volontaires pour retourner la caillou évacuer sans danger. Opération qui était coordonnée par chef ministère Affaires étrangères Mexique, Alicia Barcena, te répond à la situation insécurité ça qui vient plus grave en Haïti à cause groupe armé. Chef ministère Affaires étrangères Mexique, dit, nous identifions citoyens qui étaient en Haïti et jour 31 mars là, 34 citoyens ont été sauvés qui étaient Haïti, 24 garçons et 10 femmes, parmi eux 4 officiels ambassade là avec 7 mineurs. Dans une opération secrétaire la marine l'a été fait, pour être capable de sauver à bord un hélicoptère. J'en connais à l'aéroport haïtien fermé depuis presque 8 mois. 34 citoyens et personnel ambassade mexicaine en Haïti étaient transférés à partir de vol par hélicoptère sorti dans un héliport qui est dans l'ambassade République dominicaine à Port-au-Prince. Groupe citoyen s'est arrivé dans Port Progreso qui est dans l'État mexicain dans la zone Yucatan. Chef ministère des Affaires étrangères mexicain a continué à parler pour le dire. Comme vous connaissez, un conseil de sécurité présidentiel a créé en Haïti qui a donné 7 personnes avec 2 observateurs. Mais ça n'a pas garanti la sécurité. C'est la raison ça qui fait que nous décidons de faire citoyens nous tourner. Nous faisons un sondage pour nous voir qui est qui veut retourner. Consatou yon groupe 243 moun parmi yon 163 citoyens français, 80 étrangers, parmi yon moitié nan yon ces citoyens qui sorti dans pays Union européenne, yon même tout yon été évacué quitté Haïti, côté que yon été bloqué par situation insécurité chaotique ça. Yon rivé dans pays Martinique selon sa préfet département français pour Caraïbes là fait qu'on est. Yon été déployé 3 bateaux qui sorti dans marine nationale là dans Fort de France. Donc parmi toutes les personnes qui sont arrivées, l'organisation a pu leur apporter la sécurité, le bien-être et la possibilité de souffler après un périple et des conditions de départ de Haïti particulièrement éprouvantes. Citoyens français ont pu retourner immédiatement en France après qu'ils ont passé une nuit dans le pays Martinique à bord d'un vol chartered que le ministère Europe et Affaires étrangères mettait à disposition. On est soulagés d'être là, oui, mais on laisse plein de gens derrière, donc ça c'est un peu difficile aussi. On laisse notre vie derrière pour le moment. La situation là-bas, c'est vraiment grave, grave. Parce que le peuple dans son pays se trouve dans un embargo local. Je vis là-bas depuis quelques années, donc j'ai un peu tout laissé derrière moi en quelques heures. Donc c'est un sentiment mitigé, à la fois je suis contente d'être arrivée et à la fois très triste. C'était une décision pas facile à prendre parce que j'ai encore de la famille, mais bon, il fallait penser aux enfants et c'était peut-être la seule possibilité d'évacuation des Français. Gagne environ 1100 citoyens français qui gagne là-dedans une groupe quantité de monde qui gagne double nationalité qui vivent en Haïti d'après chiffres qui sortent dans Quai d'Orsay. Évacuation citoyens étrangers soutien en Haïti a été augmenté dernièrement à cause avenir politique pays qui pendit dans déblousaille, ça qui empêchait civils de quitter pays à un moment. Dans un rapport qui était publié semaine passée, expert en droit monde des Nations Unies William O'Neill a demandé pour une action immédiate et prendre compte situation cataclysmique ça en Haïti pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis depuis New York. Et puis le gouvernement américain a déporté un groupe citoyen guatémaltèque qui était essayé d'entrer dans le pays par voie illégale en passant par frontière Mexique partagée avec États-Unis, Gentil Augustin Junior.
Autorité américaine yo déporté plus passé 300 immigrants Guatemala qui t'a essayé passer sous frontière Mexique là pour entrer sous territoire tonton Sam nan yon façon pour yo réaliser rêve américain. Moi pense que nous tout au courant des risques là et malheureusement nan processus pour chercher yon pi bon avenir nous fait face à déportation. Nous déterminé pour nous passer tout processus là, quel que soit circonstance yo, qu'il c'est bon traitement ou soit mauvais traitement. Ça c'est yon bagaille nous doit accepter parce que li c'est yon partie nan processus migration. Malheureusement, nous pas dépendre des droits moun. Nous dépendons seulement pour nous rester vivants, pour nous réaliser rêve nou yo ak améliorer la vie nou. Nan souci pour décourager immigrants rentrer illégal États-Unis, autorité américaine yo continue à déporter yo. Ayer lundi 1er avril 2024 là, autorité immigration Guatemala te dit que 3 vols qui t'est sorti États-Unis t'est porté 368 immigrants déportés rivé dans ville Guatemala. Déporté yo, c'est si tout immigrant yo te kembe sous frontière États-Unis gagnen ak Mexique. Podemos mencionar que dans l'année 2023, 11424 moun té retourné. À partir 31 mars année ça, 19337 moun retourné. Alors, nous wè gros différence là. Augmentation quantité moun k'ap retourné dans pays a évident. Ça montre quantité moun k'ap essayé entrer illégal États-Unis, ça montre quantité moun k'ap essayé entrer illégal États-Unis ap continuer. Moun yo continue ap quitter territoire Guatemala pour arriver et réaliser rêve américain. Nan yon communiqué, Institut Immigration Guatemala te déclaré plus avion ak Guatemaltec que autorité américain yo ap déporté gen pour rive nan mois sa. D'après donné officiel ki sorti Guatemala, États-Unis te déporté plus passe 19 000 immigrants nan pays Amérique centrale la sous 162 vols pendant l'année 2024 la. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci gentil Augustin Junior et c'est avec des reportages. L'autre information que nous porter pour Evan Wally directement dans gros guerre qui éclaté là entre Majorie Michel lui-même avec Oudisanon qui c'est journaliste et eh bien journaliste radio média traditionnel et en même temps tout lui c'est un journaliste sportif dans pays d'Haïti. Et bien la menace la mort Majorie Michel Longedwetli sous Oudi Thomas Sanon avec Jimmy Cherizier alias Barbecue que nous connaissons là. Et bien dans une lettre tout l'ouvri li publié AMADI 2 avril 2024 là Majorie Michel de fait qu'on est gen gros menace la mort sous doul ancien ministre là Longedwet li bien long sous animateur émission qui ça nous voulait qui donc Oudi Thomas Sanon avec Jimmy Cherizier alias Barbecue ancien ministre condition femme avec droit femme nan fait qu'on est qu'il décidé soutenir dans silence li pour attirer attention opinion publique nationale avec internationale sous menace assassinat de moun sa yo même y a fait et bien depuis environ de l'année sous doul. C'est ça ancien ministre la fait qu'on est cap bien en pouvoir pourquoi il est là sur radio Ibo 98.5 chaque matin Oudi Thomas Sanon prend plaisir attaquer chaque matin li souvent présenté comme gang yon moun yo doit éliminer Jimmy Cherizier bon côté parle li même tout a menacé c'est dame n'a parlé là Majorie Michel que Jimmy Cherizier toujours a menacé lui même dans chaque intervention publique et bien sans moins ak li pas jamais croisé même un jour c'est sa ministre Majorie Michel lui même li fait qu'on écoute Majorie Michel a demandé pour qui ça démon ça yo toujours a attaquer. Est-ce que c'est parce que il était fait choix signé accord 11 septembre avec 21 décembre qui était passé les Ariel Henry même yo t'a fait ces gros questions qu'a posé. Est-ce que des moun sa yo même yo gen même relation c'est ensemble question ancien ministre là lui-même l'a posé dans document ça lui-même que lui-même les rend public puis loin ministre là aller pour dire coordonnatrice plateforme femme engagée pour Haïti a lui-même li fait qu'on est une situation pays a là ou dit ça non avec Barbecue do responsable n'importe bagaille mal qui t'arrive m'ab accord 21 décembre n'a continuer lui-même pour le dire li pa gen aucun protection li continuer aller dans activité j'enlte qu'on fait ça déjà c'est ça li fait qu'on est bien ou dit ça non lui-même qui pas de silence. Tout suite après dame nan te fin longe dwet sou li bien long fait konnen ki la mené complot li même avec Barbecue pou ta assassiner et bien li prend radio li dit li pa gen rien avec dame nan sinon dame nan même c'est un monde qui pa tab chame capable une force tant aussi pa ta force pour nommer c'est ta pour faire choix de li et li
Et puis, il n'y a pas de jambes passées, ou il continue pour le dire lui-même. Il n'y a pas de gagner pour le gagner avec dame personnelle parce que il n'y a pas de gagner le besoin d'elle, pas besoin de riche. Il n'y a pas besoin de rien dans la ville encore saleté, souhaiter toute saleté vle depuis le petit. Et bien, les jeunes saleté vle, c'était pour un pile monde reconnaître. Les 80% de la population haïtienne a déjà reconnaître. Vous dites ça non, selon ça, les mêmes les faits qu'on est. Vous là, Marie Michel, les mêmes qui paye, et n'a pas pour barbecue par exemple. Pape cite non André Michel, Marie Michel comme moun yo même, yo ta gagné sous route pour yo ta éliminer. Et bien Marie Michel ta semblé le paix, et bien li mette ou di ça non dans même li ça tout que barbecue li même li toujours ap cite non là pour li la dossier pas piti dans république là parce que dans un bagay yo pral li là et bien yo gèlè pa parler doucement même ou di ça non li même li fait qu'on est pas là dans Marie Michel fait qu'on est si tête li ta fait le mal dans un pays ay là et bien ou di ça non ap responsable n'ap rapple barbecue li cite non Marie Michel comme moun li ta besoin ti tête li ou bien on va connait qui en ta li prendre à tout André Michel et bien ou même qui t'a bien dans pouvoir PM Ariel Henry là qui toujours a mettre pas pour continuer dans pouvoir et bien dame dans santé ville menacé li même li rendre l'aide publique côté li long il doit li long sous ou 10 ça non l'autre côté n'a pas connait tremblement de terre qui te gain 7.5 magnitude li même li te saute passé là dans pays Taïwan pendant journée hier soir et bien yo fait pile dégâts en pile building chaviré vidéo qui a circulé sur internet là et bien yo montre bagaille yo même yo était vraiment grave dans pays Taïwan côté tremblement de terre si là li même li fait bon gentil dégâts dans pays si là n'a pas connait tout journaliste yo dit l'agent FNE a li même dit pas nan mais patron média yo dit l'agent FNE ça pas nan mais influenceur yo dit l'agent FNE a pas nan mais dit tout même directeur l'école a professeur l'école dit l'agent FNE yo même li pas nan mais l'agent disparaît et ben Ronald Joseph li même côté l'agent FNE a passé et ben faut ou ta dit côté l'agent c'est là lui même lui passé l'agent diaspora bruit de la 50 cap tombé chaque appel international cap fait sous pays à monnaie comme ça et ben qui semble fait ban l'agent tout monde a dit li pas dans mais et ben kounya la arrêté Ronald Joseph lui même qui pour ta bail détail côté l'agent diaspora haïtien lui même cap voyer comme matin midi soir à l'étranger pour aller dans pays d'Haïti pour aller sauver monde et ben côté li fait quel est la dossier ça li pour clé ONG américain Wall Central lui même annoncé 7 membres équipe li yo ta tombé en bas balle et ben dans zone côté qui vient pour avec tout israélien yo même mardi qui saute passé là d'après organisation en victime yo sorti dans pays Australie pour l'oi Royaume-Uni et bien gayoun qui gen nationalité américain avec canadien et puis trois autres même c'est palestinien qui t'a tombé dans attaque Israël Israël pas suspend attaquer il continue à faire gros acte là et bien tout de suite après attaque si là lui même qui t'est fin fait et bien dans retraité secrétaire d'état américain lui même qui était Anthony Blinken il était gagné avec Darius Washburn et bien sous LCI et bien qui était jour qui était mercredi après attaque là t'est fin fait la chef diplomatie américain lui même lui rappeler que n'importe attaque qui fait contre un allié autant yo et bien c'est une attaque qui fait contre tout pays membre organisation SILA selon article 5 traité c'est ça Anthony Blinken il fait qu'on est après attaque qui était faite côté pays Israël yo bal chay pote qui touye 7 moun sa yo et bien Anthony Blinken qui c'est secrétaire d'état américain lui-même il pas dans silence et bien le fait qu'on est depuis attaqué une comme si m'ta dou même j'ai pas vécu ou bien l'assemblée Genève là pas existe encore qu'on y a se vivre ensemble main tout et bien Anthony Blinken fait qu'on est depuis ou attaqué yon nan moun qui fait partie organisation OTAN et bien c'est à tout pays ou attaqué quelle est la monde là vraiment ça carré dans dernier jour ça là côté bagaille yo pas marché bien du tout c'est attaque sur attaque qu'a fait dans majorité partie dans monde là côté nous pouvons connait côté n'a tombé et ça paraît clair là guerre eux même yo pas piti et yo pas sur tout pour ta camper dans gens bagaille eux même y a fait là et bien mauvaise nouvelle tombé pour Emmanuel Charles quand pile nèg connait sur canal là c'était monsieur avec canal d'eau yo même qui t'a fait bon travail sous canal si là et bien yo t'a goumé pour Haïti avec nan pile cadre construction canal qui fait sous rivière massacre wana met là et bien monsieur malade Emmanuel Charles tout monde te connaît qui sont gros combattants après un pile temps monde t'a fait yo pas vraiment nous yo t'a demandé pour lui yo pas courir une bonne information sur lui et bien pourquoi il est là information sur tes clés et monsieur
li malade bien grave et yon youn nan pi gros combattant pour nous pas dire parce que li même Canaldo mouri Pasteur Moïse Widlin Pierre et bien pas ca citer non tout monde ça pour pas citer non Mano et bien Mano malade gravement là c'est à une raison qui fait nous pas vraiment Mano c'est pas parce que yo acheté le sinon c'est maladie cap ça carré état santé Mano qui fait Mano lui-même li ta rentré dans un silence et bien monsieur qui c'est mon wanamet et assemblé toujours dans commune mais qui semblait les mêmes la vivre dans un lié qui plus en dio ou bien on pas connait tout on depuis nèg yo malade yo toujours à chercher ti route mon yo et bien mano li pas mouri ni li pas acheté sinon c'est maladie qui fait nous pas attendre Emmanuel Salion qui en pile monde connaît sous mano qui t'a fait gros travail sous canal rivière massacre là SOS était lancé c'était intervention Samana est pressé pour bâtiment Ebenezer lui-même qui t'a une gros difficulté sous la mer tout près toi et bien jeudi mercredi matin là bien bonnet qui c'est 3 avril 2024 là 9h15 comme ça et bien t'a gagné un gouvernail chaloupe et bien qui t'a raché en bas gros la mer motel même li pas de redémarrer parce que c'était terre t'a cassé tout et bien t'a pile cri de détresse dans un marin qui était à bord voilier c'est là lui-même qui t'a transporté marchandises sur le wav Jérémy pour aller la Gonave on a enregistré cette vidéo là nous pouvons pas confirmer aucun dégât qui t'a fait mais ça nous explique là lui-même j'étais passé vers 9h15 dans matin jeudi mercredi à là côté et bien t'a gagne pile difficulté avec moun sa lui-même qui t'a transporté dans bon bateau si là chez gang New York lui-même qui t'a opéré dans cité Doudoun dans commune Croix des Bouquets et bien monsieur t'a arrivé perdu la ville selon information qui circule là et bien monsieur t'a blessé mortellement en babal la police AM a dit 2 avril 2024 là selon source radiographie lui-même li publié et bien quoi il a bandi de temps en temps une petite affection malgré le pas fait en pile mais de temps en temps petite affection a tombé qui pas jamais fait trop dégâts à qui pour ça yo même y a remettre là mais quand même yo pas la guerre yo même pour tout temps en temps là pour bailler ou petit bagage li mettre pas trop gros et ben yo toujours une bagage mais ça pas empêcher yo même yo continuer parce qu'il gagne gros caisse sauté avec suspense pour monde yo même qui était tout préparé national avec Jean Mas depuis dans zone midi yo dans hier et ben yo t'ai attaqué côté t'ai lancé gros message contre la police yo même yo t'ai prend micro pour t'a demander tout monde de quitter espace yo gros public si la li même qui était dans l'idée pour te inviter que yo même yo pas victime dans éventuelle bataille qui gagne entre la police avec pandio qui parler laisser parler et bien tout ça yo même yo essayé rentrer dans parler et bien hier de 2 avril là et bien c'était gros tentative et c'est pas pour première fois que nèg yo même y a fait tentative ça yo pour yo même yo capable river prendre contrôle palais national dans quatre batailles que yo même y a mené et bien yo était déjà boule blindé dans yo tout passé là et bien la police yo même qui était volé pour un terrain libre pour gommer pendant journée à ces gros SOS qui était lancé yon façon pour être capable un terrain pour yo capable péter coup de balle avec malfoi ça yo qui les prend palais national yo même dans rien yo table pays les États-Unis continuer parler toujours fait mais résultat yo c'est eux même qui paraît plus difficile pour nous département sécurité intérieur américain les même qui parlait côté yo vle camper trafic zam illégal qui rentrer dans Caraïbes spécialement en Haïti c'est ça qui écrit dans journal NBC News li même d'après yon rapport Nations Unies li même te publié dans année 2023 li te identifié États-Unis particulièrement Florida li même comme principal côté qui a fourni zam avec munition pour yon même yo ta vini dans pays d'Haïti vin détruit nous vin fait nous passer misère qui était capable gagner et bien d'après yon agent spécial dans DHS li même Anthony Solvel zam sa yo même yo puissant et yo souvent tombé dans même mauvais monde et bien législateur li yo même yo getan écrit loi cash et bien cash là les mêmes qui c'est caraïbéen les mêmes trafic avec zam nan et bien pour freiner question zam illégal dans caraïbes là d'après ça chez là chef Félix les mêmes MC les mêmes li fait connait zam illégal cap sorti États-Unis yo et bien c'est principal cause violence actuelle qui gagne
dans le pays d'Haïti, c'est ça, NBC News lui-même li poste. Eh bien, selon journal là, selon département sécurité intérieure pays les États-Unis, eh bien, en pile manœuvre déjà pour continuer fait là, ou bien commencer à faire, nous parlons qui l'a déjà fait déjà, pour voir comment ils sont capables de bloquer le trafic ZAM. Par exemple, le pays d'Haïti n'a pas fait ZAM, nous pas construit, nous parlons qui j'en vous nous fait. C'est le créole nous capable de faire, mais le créole là, c'est pas ZAM qui a pris une bonne balle, ça, ou ZAM de gagner eux-mêmes, tout sorti dans pays les États-Unis. Déjà fait qu'on est que vous sortez dans l'état Floride, passé République Dominicaine, et bien avec une facilité de tomber à vos voisins, vous êtes toujours capable pour l'op sur territoire national là pour négocier vous-même, venir faire des peuples noirs passer miser. Vous êtes connu à fois qu'on est pendant le peuple lui-même là, moui dans grand groupe politicien haïtien vous-même, vous continuez à bataille pour pouvoir. C'est comme ça, journal américain qui c'est Miami Herald lui-même, Liberty, il y a un article que vous-même vous publiez jeudi à la Timoun. Ap moui grand goût étranger ap quitté pays a business ap boulé l'école l'hôpital commissariat pa gen youn ki épargné en bas violence gang yo même politicien actisé pouvoir lagué nan yon lit sans fin derrière pouvoir y a bataille pour titre pour non pour yo capable toujours gen contrôle ministère yo nan yon livre journaliste politique la Ewol Jean-François ki gen pour titre Haïti la maladie du pouvoir. Et bien journaliste là lui-même lui expliquer soif qui gagne pour pouvoir, c'est lui-même qui la gagne nous dans instabilité ça depuis plusieurs années, depuis plus passé un mois bandi contrôler capitale Port-au-Prince là net. Et bien politicien avec dirigeants qui enflient yo même dans politique haïtien y a tant ou bien y a fait temps passé yo pas gagné. Et bien sens d'intelligence situation grave malheureusement politique pays a pas facilité yon solution Haïti kounya c'est une question de vivre ou la mort lié qui donc pas gagne les choix c'est soit ou vivre ou bien ou mourir nèg ki bon politique yo t'assemblé bien géré tête yo bandi yo pas ka croiser yo et bien barbecue ka plaider parler là pour en pile monde parole ça pas fin gain sens ça l'a dit yo pas paraît clair du tout malgré effort qui fait ou gagne yon conseil présidentiel pour diriger pays a gouvernement en place là plutôt fait temps passé et bien c'est qu'on y a là yo pral former comité expert pour analyser si conseil présidentiel si là lui-même li respecter loi pays a ou non si moi prêter parole journaliste et ou là lui-même quel que soit formule nous ta utiliser là li pap nan constitution pour me finir et pas menti non pas gain affaire constitution d'ailleurs constitution transition là déjà tombé pour remplacer par l'autre transition malgré le boulet mais obligé d'il li déjà pas dans ça qui gain pour avec constitution et pour constitution si ta un président qui ta tombé constitution qui était faite en 87 là c'est à la cour de cassation lui-même choisi un juge dans sa pi ancien yo pour ta venir représenter ou bien prendre tête pays a pour organiser élection quelle que soit formule nous utiliser là lui-même li pas dans constitution pour nous finir politicien haïtien eux même laisse ça pas bon pour yo et bien tout aller dans constitution qui modifié en 1987 là mais laisse ça bon yo tourner dans ancien pendant conseil présidentiel là li même fin formé yon l'autre groupe dit c'est dans la cour de cassation pour yo aller mes amis pays a pas qu'attendre encore trop souffrance trop violence qui continue à faire sous le peuple là malgré OIM a bail détail de combien monde cap quitter capitale là yon façon pour comment était capable sauver la vie yo et bien nèg ki nan politique yo poko cham vle décidé Philippe ki la ta vle prend pouvoir mais assemblé bagay yo pas facile pour tigi et bien CARICOM nan ta vle mette la toujours en difficulté André Michel ta assemblé loi bagay la pas bon pour lui et bien lui même li vle jeté kol nan l'autre côté là vle faire coup de cassation pour quoi li là il nous fait carré nan crise si c'est en bas nèg ça yo même k'ap fè politique là depuis nèg yo pas route côté pour poche bel et bien pa gen rien qui pral fait dans dossier qui gen pour avec dossier wap tande Haïti li même l'a quitté dossier crise insécurité a depuis pas frappé nèg yo et bien yo pa senti n'a rappelé au ministre yo k'ap marcher dans bon blindé qui gen bonne police k'ap sécuriser yo pas kon dossier insécurité barbecue nèg ça boulé c'est malheureux qui sibi bon ministre yo pas sibi policier qui sont dans classe même classe avec nous classe défavorisée c'est eux même qui prend frappe mais nèg qui bourgeois eux même d'ailleurs majorité bourgeois yo déjà quitté pays à dans hélicoptère rien pas arrivé c'est ça n'a crété nèg yo y a fin bouler États-Unis condition taxe eux même yo changé pour travailler indépendant yo tout et bien pas seulement ça l'ni l'autre détail et bien n'a faut connaître selon journal AP New York et bien si on travaille indépendant au soir un monde qui travaille
sous courage et bien qui ca recevoir paiement dans application tankou Venmo, Zelle, Cash App ou soit PayPal et bien condition pour remporter taxe ou bail IRS et bien pral changer pour année fiscale 2024 kounya la pour année fiscale 2023 qui a fini et bien année ça travail indépendant avec ti machine qui fait business sous internet doit seulement rapporter paiement qui rivé dans tout de $20,000 ou bien n'importe paiement tout qui t'a dépassé $200 ou a gagné pour rapporter yo nan rempli forme qui c'est 1099-4 mais commencer l'autre année depuis on travaille indépendant touché yon a fait de $5,000 pour pipiti et bien ça qui ca mener descendre nan $600 li pral obligé déclarer tout l'argent qu'il même li fait yon a pays les États-Unis et bien loi continue à modifier et continue à mettre yon dans l'autre gens ces pays yon même y a fait pendant nous même nous la caille là nous continue à goumer barbecue à commander barbecue à fait tout ça li même li gen pour le faire là et bien sortant de à nous même nous la gen enragé n'a goumer barbecue dit l'a fait ceci l'a fait cela pour en pile moun yo barbecue c'est gros bluffé barbecue te dit il pral Pétionville nèg yo pas ka Pétionville chaque année les soldats yo tombé et bien yo même yo descend nan ba la ville là yo descend côté plus facile yo côté yo capable touyer plus facile là bien c'est là nèg yo la gen yo continue à mettre balle côté pays al même li continue à plonger plus fond et bien nèg yo yo continue tout à craser ti reste détail qui était malgré pays à sur route là pas gagné crut là-dedans mais nèg exam yo même yo pas gain pitié même yon seconde pour ta pays a fini pour ta bal chance et bien nèg yo continue à frapper red n'a pas Guy Philippe lui-même li déjà gain pile côté que yo levé campé yon façon pour ta capable ouais comment yo ta installé mais ça pour cham marché yon demoiselle lui-même li prend yon cartouche sous cabane la caille li bagage avant pile parler à soi dans taba 27 malheureusement li mouri c'est une belle demoiselle lui-même qui perdit la ville qui n'a pas vivre sous écran là et bien li perdit la ville dans taba pendant li en dans caille côté jeune yo même yo pas suspend perdit la vie dans mauvais condition dans pays d'Haïti une belle demoiselle si là li la caille en dans la caille et bien li prend balle là selon information c'est sous cabane la caille même li prend dans soirée dans taba 27 et bien malheureusement belle demoiselle si là li perdit la ville ou elle est là même en dans caille ouyé dans pays d'Haïti et bien ou pas épargné de ça qui a passé à terre ça qui a passé à terre là il déjà passé plus que haïtien et si tout nous pas gain l'armée et ça pis mal dans pays à ces dossiers pas gain l'armée qui rend pas ka gen sécurité parce que la police yo même ta assemblé bon grand pile bon policier et gen tout corrompu qui yo même qui a collé bouda avec gang et ben c'est pas en mesi n'a pas aller plus loin dans dossier insécurité a ka ravager pays. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier youn nan pi meye fason ke ou ka fè ou capable fè n santi travay n'ap fè arrive sou ou c'est le ou kite yon like sou vidéo a et le ou abonne avec channel la tout pas oublier activer ti cloche notification mettre le sou tout yon fason pou YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous pote yon nouveau vidéo pou sou channel ça partager vidéo a avec yon zanmi ou yon fami ou yon fason li même pou le capable joine information a tout et comme ça ou aide nous grandir communauté channel la. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regret même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a pas dit au revoir tout le monde. N'a pas revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.